Salut tout le monde, c'est l'Alchimiste, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette petite vidéo sur Street Fighter. Dragon Ball Legend, purée. Je vieillis. Dragon Ball Legend en compagnie de Paul. Coucou. Alors, comme promis, nouvelle vidéo. On va essayer de la faire assez courte, ce serait bien qu'elle soit aussi courte que la précédente. Où on va essayer d'obtenir un autre Gohan Ultra SSJ2, sa mère Ultra Rising, Super Réveil de la Colère qui défouille tout sa race. Bon, on l'a déjà eu très rapidement avec de la chance, je l'utilise beaucoup en PvP. Et je veux le revoir encore, je veux l'améliorer, je dis pas que je dois tout de suite l'avoir à fond, ce serait trop demandé. Mais j'aimerais voir encore avoir un doublon pour monter. Voilà. Attendez, je regarde qui est-ce qu'on a avec lui. Je suis d'accord, je suis moyen d'accord. Je suis moyen d'accord. D'accord, c'était pour voir les jeunes unités qui étaient disponibles. Oui, parce qu'il n'y a pas que Ultra Resident Gohan qui est arrivé. Nous avons aussi. Lui il est déjà là. Nous avons Vegeto, Super Vegeto en Ultra Resident. Les unités sont pas mal. On a aussi le retour de Super Vegeta. J'ai 7 étoiles. J'aurais bien aimé encore le monter, mais il y a un problème. Le problème, ce sont les Legend Rising qui... Les jeunes unités qui l'accompagnent. Oui, malheureusement, je vais déjà à fond. Donc si j'ai d'autres, il ne servira à rien. J'ai presque à fond. Lui, je l'ai déjà à fond. Si j'ai d'autres, il ne servira à rien. Je l'ai à fond. Si je le loot, il ne servira à rien. Donc, malheureusement, faudra que je tombe people sur le Super Gogeta en Ultra. Les chances sont minces. Bon, au moins là, si je Gohan, si j'échappe du Legend Limited, il y a de grandes chances que je n'ai pas le perso parti. Donc, il sera profitable. De toute façon, c'est Gohan que je vise. Allez, Paul, assez de blabaté, on fait les tirages. Nous avons 19 200. Ok, on pourra en faire. Jusqu'à ce qu'on obtienne. Bon, on est en troisième semaine. On est déjà en troisième semaine et la partie 2 n'est pas là. Donc je pense que je peux claquer un peu. Me refaire un peu avant la partie 2. On ne sait pas y a qui. Je savais que Gohan SSJ Ultra allait arriver. Mais je croyais qu'il allait venir. Je croyais qu'il allait arriver juste avant le Ultra de la troisième partie. Mais bon, là, il est parti avant la deuxième partie. Et un Vegeta, je l'attends un peu plus. Il gâche l'animation, mais en bien. Du coup, il faudrait avoir un bon truc. Oh, super move. Ah oui. Ah ouais. Tout full. Ouais, ok. Tous les 3 fois D. Ouais. Bah, il va sortir maintenant. Et on va y aller après, on se quitte. Voilà. C'est limite, on fera des shorts. Bientôt. Dans l'espace, il a respiré, il est trop fort. Je sais qu'il peut aller dans l'espace, vraiment, et survivre, c'est cool. Parce qu'il a pas de mots, il peut pas respirer. C'est ça que l'Ultra x 2. Je crois que c'est pas beaucoup. Mais c'est un sketch. Je préférais le tirage d'avant, même s'il était pourri que j'avais tout, tu vois. Il y a peut-être un C18 et Vegeta en extrême qui monter, mais bon, s'il faut que je claque à chaque fois encore l'espace, s'il faut que je claque à chaque fois l'espace, c'est pas ça. Le prochain tirage de l'astre. Est-ce que tu peux faire une animation avec une bruit dans l'espace? Oh là 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 là, attention. Non, je crois pas qu'il brille dans l'espace. Ça va venir. C'est clair, Vegeta. Vegeta Blue. Allez Gohan. C'est bien maintenant. Non. C'est pas le bon Gohan. C'est pas le bon Gohan.
Il était une bonne là, il a tous les Gohan sauf un, hein, il est remplacé par 7. Ouais, il y a une bonne nouvelle qui parle. Oh là là. Ah non mais sérieux, un glissard arc-en-ciel. Oh là là. On aurait dû avoir ça autour de 3x2. Bah ouais, mais là franchement, si là, maintenant les glissards arc-en-ciel veulent presque plus rien dire là. Bon ok, c'est un perso de la bannière. Il faut que je m'incline, c'est un perso de la bannière. Bah ouais, mais quand même là. J'ai vu des vidéos sur des groupes des personnes de la bannière, mais des personnes qui sont vraiment... c'est ça. Même pas SSJ3, hein. Donc, on a perdu. Ouais, SSJ3, c'est plus quand il y a égalité, je crois. C'est pas faux. Bah là, l'animation est plus courte. Mais c'est des jeux de surprise, c'est rare ici. Et ça, c'est le starting de la petite. Et voilà, j'ai dépassé, et puis obligé à voir. Ça fait déjà un tour de palier. Ah ouais, On vient de faire le gratuit. Et là, on reprend ça. Un vaisseau. C'est vrai, mais je vois pas mes fils de défense qui nous regardent après là. Merde. Vas-y, je prends. Ouais. Ah bah là, c'est même plus le Sparking de la Pity, c'est le Ultra de la Pity. C'est clair, on n'est pas en Ultra x2 et tout. Mais aucun Sparking. Bah moi, j'ai fini mon tour de palier quand même. Si t'as vu, j'ai un tour d'Ultra x2, mon crapé qui me le redonne. 15 000 cristaux. Oui, t'as bien fait de me le dire. Alors 15 000, ouais, tu peux y aller. Okay. Je fais un calcul rapide, hein, avec les raids, partie 2 qui risque d'arriver, si ça me plaît ou pas, blablabli, blablabla. Du coup, l'animation de Gohan, je crois, c'était Super Saiyan, glissé doré et un vaisseau. C'est tout. C'est pas le Bardock extrême que je veux. Oui, il y a un Bardock extrême que je veux, mais il n'est pas sur cette bannière. Il est sur aucune des autres bannières d'ailleurs, c'est un peu plus vieux. Le tour de 3x2 là, c'est ce palier, je le déteste, hein. Franchement, encore deux extrêmes tout pourris, non mais... Là, je peux l'avoir comme je peux avoir de la merde. On peut pas savoir. Oh.
Seigneur, sérieux. Non. Ok, non pour les cas. Moi, je me fais avancer la dose. Ok. Bien. Et le gratuit pour finir. Allez. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a jamais eu de bannière avec deux ultra. Ah non. Non, ça, c'est pas possible. C'est moi, ultra, c'est con. Je crois que c'est pas une commande de faire, mais c'est con. Qu'est-ce que c'est de lui? Allez, c'est le dernier tirage. C'est fini de nous. Ah, non, c'est fini. Le chef qui était tout pourri, le cri d'un coup. Waouh. Je ne plus que la violence des tirages. Waouh. Ça va, là on a eu le train. Ouais, allez, c'est bon. Ouais, 13 000, on va s'arrêter à 13 000. On a attaqué 7 000 aujourd'hui quand même. Pour avoir un Gogeta et un Gohan Ultra, franchement, c'est vachement rentable. Donc, très content quand même d'avoir eu le Gohan, encore une fois. Voilà. Peut-être que je vais en faire une priorité à le monter à fond. Comme le Ultra Vegito que j'ai fait. Mais ça va demander pas mal de cristaux, parce que quand même, il va falloir le lutter encore 3 fois. Bref, on n'y est pas encore. Pour l'instant, on est à l'anniversaire, on va attendre la partie de sagement en faisant le plein de cristaux. Pas le mot de la fin, je crois qu'on peut se permettre. Ultra. Ultra, si vous avez suivi ces vidéos jusqu'au bout, n'hésitez pas à commenter Ultra. Et moi, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite autant de chance que moi, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo pour la partie 2 sûrement. Salut tout le monde. Salut.